Bonjour Emmanuel, alors bienvenue chez Privilège. On va te faire visiter le chantier avec ses 5 bâtiments. Quand on aura fini le tour du chantier, je te présenterai avec grand plaisir, un peu en avant-première, le 580. Dans ce bâtiment, on va s'occuper de tout ce qui est moulage composite, donc de l'ensemble de la gamme 510, 580, 640 et 740. C'est une belle visite. Et là, on est en train de mouler le 510, le numéro 31. Et on attaque la préparation, puisqu'on a la chance d'avoir une commande d'un 740, donc le navire amiral, pour un client allemand, et dont la livraison est prévue dans 18 mois. Donc là, on prépare le moule du 740. On vient de démouler récemment un 640. On en attaque à nouveau. Le 7e 640. Donc ça c'est notre 64 pieds. En un an on en a vendu 11. Ce qui est énorme pour nous parce que c'est des bestioles à 1,5 en taxe. Donc on va aller sur un. On a 42 millions d'euros de commandes. Et donc les lacs maintenant sont commandés par tous nos clients. Et ce bateau-là, plein d'œil. Son nom c'est Horus. Il va être Rouge Ferrari et son port d'attache c'est Porquerolles. Donc là on voit le hall des 510. Donc le tact 4, c'est tout ce qui est au-dessus le plancher. On voit que tout ce qui est technique est déjà installé. Au fond, là-bas à gauche, on voit le tact 3. Et là, on a le tact 5, puisque le pont vient d'être posé. C'est donc le 580 sans le cockpit. Où le cockpit devient notre roast, devient un espace de stockage. On est dans 30 pays. Là, on a Colombie, Canada, on va voir la Russie. On avait la France, on avait l'Espagne, on avait les États-Unis de l'autre côté. Donc là, on attaque le surplancher. Donc comme j'ai expliqué, aujourd'hui, on a eu la chance de toucher 30 pays différents. Et on sait que nos clients sont loin. Donc ce qu'on fait aujourd'hui pour les faire patienter, tous les vendredis, on envoie un reportage photo complet de la semaine à nos clients. Donc tous les vendredis, tous nos clients reçoivent le photoreportage de leur bateau. Donc ce bateau-là, à destination de la Colombie, sera gris métallisé très foncé. On est sur la version du 580 D-Light, sans le cockpit, version allergée, mât carbone. Et le 580 de Rob, qu'on voit ici, sera lui gris très clair également, avec mât aluminium. On voit bien ici là une des particularités du privilège, c'est étant donné qu'on est sur des bateaux de grand voyage qui vont embarquer énormément d'équipements, on est obligé de travailler le polyester le plus léger possible. Donc on voit ici qu'on utilise de la mousse à cellules fermées qui va permettre d'être très léger tout en étant très rigide et surtout totalement hydrophobe. Ajustage à remontage dans les bateaux, parce que le privilège est très connu pour sa noblesse dans les bois. Hein. De barre, mi-hauteur, hein, qui va permettre au beau de capitaine d'être toujours près de sa famille ou avec une vue sur les gens sur le flybridge. Donc dernier rush. Donc là c'est un cuisine en bas.
point fort de ce bateau, c'est sa modularité. Puisqu'on va retrouver ce bateau, on a existé cuisine en bas, cuisine en haut, avec cockpit avant, sans cockpit avant, avec ou sans cette porte. Donc vraiment, le client peut vraiment trouver le bateau de son choix. Plutôt les points froids de cuisine. Avec ici le carré équipage qui est encore en travaux. Ici une cabine arrière ultra généreuse dans ses vitrages. Donc une belle vue sur l'arrière, une belle vue sur le bordé. Et bien sûr avec des vitrages en verre sécurité et non pas en plastique. Puis on voit qu'on maintient la qualité du travail de privilège avec la petite finition, le détail du bois. Là on est sur un chêne blanchi. Voilà, un travail fait avec Franck Darnay.